Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch il faudra se rendre dans la map que le code est affiché à l'écran en haut de l'écran. Donc bien entendu le code de la map je le mettrai en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors quand vous arrivez dans cette map il y a un bouton code créateur, si vous voulez me soutenir vous appuyez sur ce bouton et là vous entrez le code SCM en minuscule ou en majuscule peu importe. Merci à tous ceux qui le font, franchement ça soutient à fond et si vous le faites vous êtes des beaux gosses les mecs. Alors ensuite quand vous êtes dans la map, ce que vous faites c'est que vous allez dans la zone qui est juste ici. Voilà. Ensuite vous allez vous diriger vers le bloc bleu respawn back. Donc je vais prendre le tremplin pour aller plus vite. Vous vous dirigez vers la droite de cette box. Et juste ici, vous allez voir quand je vais passer, mon personnage devient bleu. Donc vous allez faire 5 émotes. Donc une émote comme ça. Ensuite, vous revenez en arrière. Vous retournez là. Hop, 2 émotes. Hop, on revient en arrière. Je ne sais pas s'il faut faire vraiment 5 émotes, mais on va en faire 5 au cas où. 3 émotes. 4 émotes. Et une dernière pour être sûr. 5 émotes. Quand vous avez fait ça, vous allez monter sur la box juste ici. Donc, hop, vous montez par là. Vous allez mettre des plafonds. Oh, mince. Mince, mince, mince. Il faudrait que je redescende. Ouais, évidemment. En fait, il faut mettre des chapeaux pour ne pas respawn. Parce que vous avez vu, ça m'a fait respawn. Donc, il faut mettre des chapeaux et sauter au-dessus des chapeaux pour être sûr que ça vous ne fait pas respawn au début de la map. Donc là, on y retourne. Voilà, parfait. Hop. Ah, mais je suis sérieux là. Je suis désolé, j'ai la course automatique, je m'y attendais pas. Donc on va retourner encore une dernière fois. Je vais faire plus attention. Bon, ben, je vais même atterrir au-dessus sur mon chapeau. Là, vous faites 3 chapeaux au total. Faites bien attention de sauter sur vos chapeaux pour ne pas respawn. Voilà. Ici, normalement, vous avez un bouton. Secret Room XP, vous interagissez avec et là ça va vous donner des XP. Donc, regardez, là je gagne 1000, 2000. Il faut savoir que je suis en XP limité et je gagne quand même pas mal d'XP. Regardez, 12 000, c'est quand même assez important. Donc c'est pas tout parce que c'est pas le seul glitch, je vais vous en montrer d'autres. Donc là vous descendez, il y en a 4 au total, même voire plus, on va voir ça après, j'expérimenterai ça après avec vous. Donc hop, on prend le tremplin, on se dirige sur la gauche de la box cette fois-ci. Et là, il y aura un bouton XP juste ici en bas à gauche. Voilà, Secret Room XP. On interagit avec, ça vous redonne de l'XP. Ensuite, on continue, je vous présente l'autre glitch, le troisième. Donc là, vous regardez en face de la box, il y a les deux rampes. Vous regardez ce bouton-là et vous allez suivre tout simplement la ligne, comme je suis en train de le faire. Vous allez voir qu'au bout, il va y avoir un bouton d'XP, pas tout au bout, mais... un peu avant la fin, il va y avoir un bouton d'XP. Je pense que c'est par ici. Donc là, je le vois pas. C'est peut-être un peu plus loin. Là, je le vois pas. Encore un peu plus loin. Je le vois pas. Attendez, je vérifie. Ok, donc normalement, il devrait être ici. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne le vois pas. Peut-être que j'ai mal dansé à l'endroit où je vous ai dit qu'il fallait danser là. Donc ce que je vais faire, ben, c'est que je vais retourner danser pour être sûr. Attendez, je vais quand même vérifier un truc parce que peut-être que je me trompe. Alors, c'est là-bas. Normalement, il y a 1, 2, 3 carrés. Ah, il est là. Ah, ok. Oh là là. En fait, regardez, il y a 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Et il est à l'intersection de ces 3 carrés. Donc, j'avais bien dansé, donc ça fonctionnait bien. Donc là, vous cliquez sur XP Room. Ici, vous allez monter sur cette petite rampe.
Parfait. Comme ceci, faites attention de bien marcher sur la rampe. Quand vous arrivez au bout de la rampe, vous sprintez et vous sautez pour vous accrocher. Parfait. Donc là, ensuite, quand vous êtes là, vous regardez en l'air, vous avancez un peu. Hop, vous mettez au bord, normalement. Le bouton devrait se cacher quelque part. Un peu délicat à trouver, j'ai l'impression. Ouais, je suis tombé. On va y retourner. Bon, les boutons sont un peu délicats à trouver parfois. C'est pas évident. On sprint, on saute, on s'accroche. On regarde en l'air. Ah, il est là. Regardez. Pas besoin d'avancer, vous regardez. Regardez, je suis en plein milieu des carrés, du petit carré. Je regarde en l'air et il y a le bouton d'XP. Vous interagissez avec le bouton. Et là, vous allez gagner encore des XP. Ensuite, il y a un autre bouton XP juste ici à côté de l'image. Donc juste là, normalement. Il est où ? Ah, il est là. Bouton secret, hop, vous cliquez dessus. Boum, ça vous donne encore des XP. Donc c'est un glitch XP AFK qui vous donne pas mal d'XP. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres glitches. Donc je vais essayer de vous les montrer. Alors, si je me souviens bien, dans cette map... Sur le hit du véhicule, je crois qu'il y a un glitch. On va aller vérifier. Après, je me souviens plus trop, mais peut-être que les boutons ne sont plus disponibles parce que c'est une autre version. Mais je préfère vérifier avec vous au cas où pour être sûr. Donc, on va aller voir sur le hit du véhicule. Donc, on va mettre deux rampes pour monter sur le mot. Hop, une, deux rampes. Voilà, on se met ici. Est-ce qu'il y a le bouton? Je ne le vois pas. Attendez, on va casser ça. On va mettre une rampe là. Une rampe là. Et non, il n'y a pas le bouton sur cette map. Enfin, sur cette version, apparemment. Peut-être derrière. C'est quoi ça? Peut-être derrière le camion? Non plus. Ok. Je sais pas ce que c'est, ça. Donc là, il n'y a pas. Et la dernière solution, je pense que c'est derrière le secret de Vault. Donc s'il n'y a pas derrière le secret de Vault, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Donc il n'y aura que les 4 boutons que je vous ai montrés. On va vérifier. Alors, il faut savoir que toutes les 10 minutes, vous allez gagner des XP supplémentaires, un bonus d'XP. Toutes les 60 minutes, vous allez gagner un bonus d'XP aussi. Et au bout de 60 minutes d'AFK, hein, pour gagner des XP, vous aurez accès à cette zone qui vous donnera aussi des XP quand vous allez récupérer les cœurs, les trucs mauvais, tout ça, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc ici, ah bah non, on peut pas y aller. Donc ok, sur cette version de map, il n'y a pas les glitches que je connaissais précédemment. Ah, peut-être que j'ai peut-être un autre glitch, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est en haut du bâtiment du spawn, voire en bas. Donc on va aller vérifier, ça ne coûte rien. Donc, je vais vérifier ça, vous mettez une petite rampe, on va aller en bas à droite et à gauche pour voir. Et ensuite on montera au-dessus du spawn pour voir s'il y a toujours le bouton secret. Hop, là on va mettre des sols. Encore une rampe. Sol. On va aller dans le coin là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'XP. On va quand même mettre une petite rampe pour être sûr. Il n'y a pas l'air d'avoir de bouton ici. On va aller de l'autre côté. Voir s'il y en a un là-bas. Hop, on va mettre une rampe pour être sûr. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de bouton d'XP. Donc on va aller au-dessus maintenant. Hop, on fait une rampe comme ça. Et on met des rampes juste ici. Voilà, et normalement, ici, il y a un bouton. Mais c'est pas sûr. Ok, donc sur cette version, tous les boutons ont été annulés. Les seuls boutons qu'il y a, c'est les 4 boutons que je vous ai montrés en début de vidéo. Donc voilà, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit rester en AFK et gagner des XP en AFK tout le temps, hein, comme d'habitude. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter la partie et recommencer le jeu. Si maintenant vous gagnez pas d'XP en arrêtant la partie et en rejouant le jeu, la partie, bah ce que vous faites, c'est que vous allez carrément en retourner à l'accueil et vous retournez dans la map pour commencer les XP. Regardez, là j'ai un bonus d'XP de 8000, de 9000 XP parce que j'ai joué 10 minutes. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, soit vous faites de l'AFK ou soit vous tryhardez les boutons en illimité pour gagner plus d'XP. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapping Mac et ciao. Peace.
I'm me, bruh. I'm me, I'm me, I'm me.